partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. C'est bien particulier notre rendez-vous d'aujourd'hui. Je pense que ça sent bon déjà jusqu'à travers votre téléviseur et jusqu'à chez vous. On est au Verger, les Jardins d'Émilie, et c'est une émission particulière. Un 30 minutes, dont une première moitié consacrée au lieu que l'on fréquente en ce moment, grâce à Sylvain Pelletier, qui est notre invité. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Merci de nous accueillir. D'abord, un bagage dans l'alimentation qui n'est pas étranger à l'acquisition, ici, à peu près 5 ou 6 ans, des Jardins Verger d'Émilie. On va parler un petit peu, justement, de ce qui t'a amené à mettre la main sur... et l'expertise que tu avais avant ça, avant de mettre la main sur l'entreprise ici. Moi, j'ai parti mon entreprise, c'était ASP, à l'âge de 16 ans. Et on avait, j'avais une ligne, si on veut, de restauration et d'épicerie. Alors, j'ai vendu ma division de la restauration à 40 ans. Et puis, l'autre division ASP dans les épiceries fonctionne encore. Bien. Alors, c'est quelque chose. Donc, comme disait l'autre, à 16 ans d'être en affaires, donc, ça veut dire qu'il y avait un entrepreneur qui n'a pas chômé, comme on dit, il y a très, très longtemps. Oui, j'avais ça en dedans de moi, il faut croire. Oui, ouais. C'est assez exceptionnel. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on décide de vendre, donc aussi jeune qu'à 40 ans, puis que là, on se dit, regarde, là, je me retourne de bord, avec l'expérience que j'ai, l'expertise acquise à travers les années, je me lance vers autre chose, mais qui est un peu connexe, parce que ça demeure de la bouffe, ça demeure de l'alimentation, mais en même temps, c'est assez différent aussi. Oui, moi, je voulais avoir un nouveau défi. Mes enfants étaient jeunes aussi à l'époque, donc c'était plus difficile. Puis j'avais travaillé fort pendant plusieurs années, des centaines d'heures à toutes les semaines, du lundi au dimanche. Quand j'ai vendu ça, j'ai pris une petite année sympathique pour me reposer. Pour faire le plein. Exactement. C'est nécessaire. Et on a fait l'acquisition des Vergers d'Émilie. Mm-hmm. Et en même temps, on a fait une acquisition, c'est bizarre, mais en République dominicaine. Ah oui, OK. Alors, on a 80 arpents en République dominicaine. Bien. On a une serre de 2 acres de long. Tout là-bas a les systèmes de panneaux solaires. Tout fonctionne avec des panneaux solaires. Et à l'année, évidemment. À l'année. On est fiers de ce petit projet-là. Présentement, on a des limiers, on a des piments qu'on envoie un peu partout. OK. On a des mangues. On a plein de fruits qu'on fait. Cette année, on a arrêté pendant 6 mois le rien qui se fait, mettons, mais les autres années, on faisait quelque chose à tous les années. C'est merveilleux, Sylvain, parce qu'on devient de plus en plus autonome, alimentairement parlant, on va le dire comme ça. Et ça, c'est pas banal là, d'avoir un pied à terre, on va dire, en République dominicaine, et c'est tout un grand pied. C'est tout un espace. Est-ce que ça te mijotait à l'esprit depuis longtemps? Bien, il y a beaucoup de fruits et légumes qui viennent encore d'ailleurs de la Californie, mais oui. La Californie a un gros problème, puis c'est l'eau, souvent. C'est vrai? Alors, la République de dominicaine, bien, on a la température, on a de l'eau. Fait que quand j'ai fait cette acquisition-là, bien, tu sais, j'ai dit, on prendra notre temps avec ça. On n'est pas là non plus à l'année tout le temps, mais tu sais, il y a quelqu'un qui s'occupe de nos terrains là-bas, de nos terres. C'est très bien. On fait des plantations de courges ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des employés d'ici qui ont le goût d'aller faire un tour en permanence? Oui, mais on est assez occupés ici. Ouais. On a de quoi les occuper. Les Vergers d'Émilie aussi, nous, on est au marché Jean Talon. Oui, du mois de mai à octobre. Bien. Avant ça, ce commerce-là, ça s'appelait les fermes aux lignées. Donc, on a fait l'acquisition. D'accord. Puis on est en revenu avec les Jardins d'Émilie, avec tous les fruits et légumes. Cette année aussi, on a fait des endroits différents. Mm-hmm. Parce que achat local, moi, ça fait longtemps que je... C'est pas cette année. Pour moi, c'est pas un réveil du tout. C'est un rythme de vie, c'est une façon de vivre aussi. Exactement. Ici, ouais. Alors, on a 4 endroits. Carignan, on a Candiac, Sainte-Catherine, Saint-Bruno et Jean Talon, qu'on vend nos produits et qu'on vend aussi des fruits et légumes du Québec en majorité. Des bananes, il n'y en a pas, donc à des fois, on en a dans nos kiosques, mais c'est pour accommoder les clients, donc ils nous en demandent. Ah, mais principalement, c'est des fruits et légumes, des produits du Québec. C'est extraordinaire. Parlons-en des produits et de tout ce que l'on fait ici, que l'on conçoit, fabrique, etc., parce que ça sent bon ici, puis on sait qu'il y a de la chaleur humaine.
il y a du travail qui est fait ici. On fait ouais. tous les produits là, ici. Nous, dans le fond, il y a peut-être trois produits qu'on ne fait pas quand vous voyez la boutique. C'est les cidres, okay. c'est la tourtière du lac Saint-Jean. Parce qu'elle doit être faite au lac Saint-Jean. Puis c'est la meilleure, selon moi. C'est vrai. Alors, puis tu sais, le miel. Sur... Mais après ça, tout ce qu'on voit ici, les pâtés, les tartes pommes caramel, bleuets. On fait des pâtés au saumon. Ah, je vais oui. chercher mon saumon en Gaspésie parce que c'est pas oui. du saumon autre qui vient d'ici. Bon. Ça, c'est ma mentalité. Je mets tous les produits le plus possible du Québec. Et en même temps, on voit que toute la chaleur humaine est transmise jusqu'à la... La confection de tout ça, hein, on va le dire, la création des produits, etc. Qu'est-ce qui revient souvent dans les commentaires des gens, justement, qui passent ici on à ces fait, on a du jambon fumé au bois de pommier. Oui, on fait d'accord. ça. On en passe beaucoup. Oui. On a aussi nos côtes levées fumées au bois de pommier. On a fait du porc aussi. Ça toujours le même principe. Et le week-end, on fait des l'autre côté, tout à l'heure, on va voir, on a une petite... mini cantine, si on veut. Fait qu'on fait des assiettes de michoui aux gens. On leur fait aussi s'ils veulent un burger. Mais tu sais, on aime ça vendre notre jambon. Les gens, ils sont contents. Je comprends. Puis ils reviennent. Ils reviennent. Quand ils ont fini de faire le tour de pommes, nous autres, dans le verger, on a un chansonnier les week-ends. On a quelqu'un qui fait du maquillage pour les enfants. Ah, c'est inclus. Bien, ça. Donc, c'est une fête ferme. Chaque week-end, dans le fond. Bien, ouais, les gens aiment bien ça. C'est pas trop fort. Le week-end, ici, là, la boutique est pleine. On a des gens qui font goûter tous nos produits. Tantôt, quand on va voir d'autres sur nos tables, les gens viennent, on a du ketchup aux fruits, des reliches. Les gens, ils commandent ce qu'ils veulent, même s'ils veulent un hot dog. Bien, ils peuvent goûter à nos produits. Nous autres, ils sont sur la table, puis bienvenue tout le monde. C'est comme ça chez nous. On a nos reliches de zucchini. On a dit aux gens, mettez ça dans votre hot dog. C'est bon. Ah, oui, on fait des reliches de carottes. Mm-hmm. Nos confitures, on a des bonnes variétés de confitures. Parlons-en des produits, justement, là, parce qu'on ne peut pas tous les nommer, mais il y en a tellement. Bien, on a des bons produits. Bien, selon moi, notre confit d'oignon, c'est un très, très bon vendeur. Ah oui? D'accord. Et tout ce qui est vinaigré, on appelle ça la parenté est arrivée. Alors, c'est les reliches de zucchini de mon oncle Henri ou des trucs comme ça. Cool. Tout ce qui est vinaigré. Des noms sympathiques. Oui, tout ce qui est vinaigré. Bien. Ketchup aux fruits, c'est un très, très bon vendeur ici. Mm-hmm. On fait nos gelées de Porto, nos gelées de piment. Et nos gelées de vin ail rôti. Très bon. C'en est ça aussi. C'est très, très bon. Ouais. On va reconnaître les pots parce qu'on disait il y a des lieux en termes de points de vente. Oui. Et de plus en plus, on reconnaît les produits. Hein? On te le dit, j'imagine, souvent. Oui, on a rentré aussi, on n'en voit pas. On fait des paniers de Noël, dans le temps de Noël. Ah oui. Chez Jean Coutu, exemple. D'accord. L'année passée, on a servi 42 Jean Coutu, qu'on leur a fait plein de paniers ou des trucs de nos produits là, pour le temps des fêtes. Bien. Wow. On est en train aussi de se faire une usine. Pas une usine, une petite cuisine un peu plus... c'est un peu plus industriel parce que là, notre volume est rendu un peu plus gros. Puis là, faire cuire ça au chaudron, là, ça devient compliqué. C'est aussi, long. Ça prend un plus gros chaudron, Sylvain. Oui, exactement. On va parler de la petite fille qui a tout du paternel, on va dire comme ça. Qui a fait la vente, elle sert les clients, puis elle a 12 ans. C'est le fun. Les gens aiment ça, puis les gens... sont compréhensifs. T'sais, si, mettons, exemple, elle fait une erreur d'une pièce, là, il leur dit... Ben, je comprends, c'est moi, sympathique ça, comme tout. Exactement, là. Ça me fait plaisir de voir ma petite fille qui a fait sa petite 2 jours par semaine. Quand exactement. Ça y tente, là, et c'est formateur, c'est charismatique aussi. On s'attache évidemment à ces enfants-là. Puis ça, c'est, pour l'enfant aussi, c'est extraordinaire parce que on dit que c'est très formateur. Là. Ouais. Qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir, Sylvain, à entendre comme propriétaire ou copropriétaire d'un site aussi fantastique, aussi chaleureux dans tous les sens du terme, qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir d'entendre la clientèle, peut-être des employés, des gens? Les gens, quand ils viennent chez nous, mettons, c'est vraiment ça comme une petite famille. Là, c'est vrai. C'est le fun. Ben oui. Nos tartes aux pommes caramel, les gens sont vraiment satisfaits de nos produits, nos confitures, nos produits vinaigrés. Les gens reviennent, puis bon, ben OK, je vais prendre ma caisse de reliche, de zucchini pour le temps des fêtes. On les reconnaît, le ketchup, madame, zucchini. Exactement. Oui, on a un mium-mium, que les gens reviennent. Ah, oui. Notre jambon, là, pour un petit verger comme ici, c'est incroyable. On en fait fumer les week-ends. Là, j'imagine. Ça doit faire des petits, comme on dit chez nous, parce que veux, veux pas, le mot se passe aussi. Là, oui. Si t'as quelqu'un qui vient goûter à ça, qui dit... Oh, attends, j'amène ça chez les beaux-parents. Ou j'amène... Ah oui, ramène-moi-en. Alors, la roue tourne. La roue tourne, puis on est beaucoup accessible pour faire goûter tous nos produits. Tu sais, quelqu'un va dire, moi, j'aimerais ça goûter à ta gelée de pommes. Pas de problème, on l'ouvre, puis ah, okay, on est vraiment...
Ça, c'est le fun pour la clientèle. C'est aussi sympathique et aussi chaleureux que ça. Sylvain, c'est un bonheur. On va aller trouver Fiston? Oui, exactement. Oui, oui, Marc-André. Qui s'est fait, Marc-André, une belle spécialité aussi du côté d'un rayon dont on a moins le temps de s'occuper, si on s'appelle Sylvain. Parce que, et lui, on a fait une belle spécialité, on va dire comme ça. Marc-André, ça passe, c'est tout ce qui est par rapport aux arbres, là, mettons, ben oui. Tout ce qui est entretien, tout ce qui touche à la pomme, mm-hmm. c'est Marc-André. Tout ce qui est transformé, c'est moi qui s'occupe un peu plus de ça pour faire les recettes ou quoi que ce soit, mais voilà. Beau travail d'équipe. Parfait, c'est merci. Pour ça que c'est soudé, serré comme ça. On s'en va retrouver, Marc-André. Avec Marc-André et Maëva. Comment ça va, vous deux? Ça va bien, toi? Ça va bien. Merci d'accepter de nous jaser ben l'histoire oui. de succès. Vous autres, les amis, vous faites partie de l'histoire de succès aussi des Vergers d'Émilie, c'est certain. C'est un lieu extraordinaire pour travailler et on vit ça, nous autres, au quotidien. On va parler de Maëva tantôt puis de son apport. Mais là, d'abord, Marc-André, pour toi, ça représente quoi, le quotidien? Sur quoi tu travailles ici en particulier? Pour l'instant, présentement, on travaille surtout là, à accueillir notre pomme d'été à ce temps-ci de l'année. OK. Finir la récolte de toutes les variétés de pommes d'été mm-hmm. avant de. Pour tout ce qui est la préparation de la boutique en avant. Oui, hein, apporter les pommes pour pouvoir remplir nos kiosques en avant. La matière première qui s'en va en avant. Oui, tout ce qui est l'entretien, tout ça. Mm-hmm. Finaliser ça, mettre ça le plus propre possible aussi pour les clients qui vont venir là. Cueillir des pommes en famille ici. Mm-hmm. Quand que la récolte va être finie à mi-octobre, après ça, on va embarquer dans la taille durant l'hiver. OK, donc, tout déjà? L'hiver, on va... Pas tout de suite après, mm-hmm. mais aux alentours de décembre, là, on va commencer à tailler les arbres. Ah oui, OK. Dépendamment toujours de la quantité de d'arbres que tu as, de grande, mm-hmm. la grandeur de ton verger, bien, ça va remplir ton hiver au complet. Puis là, ton hiver est de plus en plus rempli, là, je veux dire, à force oui. d'ajouter des oui. pommiers, oui, c'est oui, certain. Oui, non, c'est ça. C'est colossal. Mais il faut que tu nous parles de ton service à la clientèle. Qui fait jaser. Les gens sont contents de savoir que tu es de l'autre côté du comptoir. Où tu travailles en particulier? Bien, la plupart du temps, j'étiquette des pots, surtout ces temps-ci, parce qu'il y a des pots à étiqueter. Oui. Bien là, bientôt, quand le verger va ouvrir, c'est en fin de semaine, mm-hmm. Bien là, je vais être à la caisse. Ah oui? Oui. Puis qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce travail-là? Parce que tu n'étais pas obligé d'accepter. Tu acceptes parce que ça te fait plaisir, j'imagine. Ouais, j'aime beaucoup l'ambiance. Puis, tu sais, c'est toute ma famille. Ben oui. Puis, j'aime vraiment ça. Tu sais, je suis avec mes frères, mon père. Des mm-hmm. fois, j'ai emballé les pâtés avec ma grand-mère. Fait que, ah, ouais, c'est beau, vraiment hein? fun. Ça va faire des beaux souvenirs, ça, ouais. déjà. C'est précieux. Ouais. Les entreprises familiales, hein? Il y a une petite coche particulière. Puis quand on a des gens intéressants comme vous autres, ça aide à. Justement, passer à travers ces longues journées, parce que c'est des journées quand même musclées, c'est sûr, on va dire. On fait des bonnes journées. Ah oui, absolument. Bien, ça a été un plaisir, les amis, de vous accueillir à Histoire de succès. Merci d'avoir pris du temps merci pour nous. Merci d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. On se sent déjà de la famille. À bientôt. Merci. 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 Cette fois, dans un tout autre univers, un homme qui a plusieurs chapeaux, Sylvain, là, on se retrouve dans un contexte qui est complètement différent et peut-être une parcelle d'un autre univers, on va le dire, d'abord où on se trouve ici même. Présentement, on est à Récro-Parc à Ville-Sainte-Catherine. Mm-hmm. On a fait un petit kiosque de vente d'alcool, de nourriture. C'est différent un peu de ce qu'on fait habituellement. Nous, on fait des événements à plus grande échelle. Nos clients sont Evenco, mm-hmm. la F1, le Les Jazz gros Franco. Ouais, nous, tous ces gros événements-là. On en fait 32 habituellement majeurs. On fait même le Rouge et Or à Québec. Ah oui, les Alouettes. Bien. On en fait beaucoup. Puis, la particularité de notre business, si on veut, c'est qu'on gère tout l'alcool sur le site. Mm-hmm. Quand on arrive, qu'on fait un événement, exemple, si on était à Oceaga, oui. on a 35 bars. C'est nous qui gèrent les 35 bars. C'est nous qui amènent tout l'équipement. Okay. Tous les bars, c'est nous autres qui les fournis. Le personnel, c'est nous qui mm-hmm. fournissons ça. On voit ici, on a un conteneur qui est limonade. Ça, c'est donc, un exemple, ben oui. On fait de la limonade, il y a des gens qui raquent de la limonade des Jardins d'Émilie. Oui, évidemment. Hein? Évidemment. La marque maison. Après ça, on a des racks. Les gens, ils raquent de la bière pour augmenter les ventes pour nos clients. Ah, d'accord. Donc, ça se promène. Ben exactement, oui. puis ils reviennent. On est vraiment équipé pour faire de l'alcool à grande échelle. C'est pas toutes les entreprises, Sylvain, sans vouloir te faire rougir, mais qui peuvent être acceptées par ces monstres d'événements, ces festivals. Il y a une expertise derrière.
L'acquisition date quand même de quelques années. C'est une entreprise qui existe depuis quoi, 89? En 89, ça appartenait à la base à Broussevaux. Okay. Broussevaux, on a vendu ça à Sparsign, pour faire une histoire très, très rapidement. Et oui. Sparsign, on a revendu ça après ça à une autre entreprise que nous, que moi, j'ai racheté l'année passée, d'accord, au mois de mai. Mais ça prend quand même derrière, même si ce sont des expériences parallèles, des gens solides. Donc, Sylvain et son équipe, diversifiée, de plus en plus diversifiée, acquièrent le nouveau bébé. Pour le faire rouler, mais ça, c'est là que les relations de confiance doivent être On est privilégié que ces gens-là nous fassent confiance parce que c'est quand même majeur. C'est gros l'alcool sur les sites. On est très à l'écoute de nos clients, de chaque année, de se perfectionner pour aider la vente d'alcool, que ça se fasse bien. On est soucieux de tous les petits détails. Pour nous autres, vendre l'alcool en bas de 18 ans, ça se fait pas. On est vraiment sévère sur ces choses-là. Je suis chanceux, j'ai une bonne équipe avec moi dernièrement. J'ai des gens que ça fait des années qui étaient pour Broussevaux, peu importe, qui ont continué avec moi dans l'aventure. Sans eux autres, ben, tu sais, j'aurais pas pu le faire tout seul. Donc, j'ai quand même des gens avec moi là, qui de confiance. On engage par année entre 300 et 400 personnes d'employés ou des travailleurs autonomes qu'on appelle. C'est beaucoup incroyable. D'étudiants, étudiantes. C'est beaucoup de gens. Il y a du pourboire. Donc, il y a des gens qui font ça pour payer leur étude ou quoi que ce soit. C'est une fierté pour nous autres. On a des gens qui recrutent notre personnel à l'interne, puis toujours sur les réseaux sociaux. On a une très belle équipe, on en est fiers de nos employés, de tous ceux qui travaillent avec nous autres. Il y a de quoi, puis ça prend des épaules larges aussi, parce que je reviens à ceux qui vous font confiance, à vous autres au sein de l'équipe, et à toi comme dirigeant, Sylvain. À un moment donné, on sait que les personnes, donc après nous, ceux que l'on forme, etc., qui à leur tour forment des gens, etc., il faut s'assurer que chaque maillon de chaîne fonctionne. Exactement. Donc, ça prend un patron qui a les nerfs solides aussi. Là. Oui, effectivement. Quand même plusieurs milliers de dollars sur les sites. C'est certain. Il faut gérer, comme je vous dis, nos bars. Il faut que ça balance aussi à la fin de la journée. Si ça ne balance pas, ils ne nous prendront pas pour l'année d'après. Alors, c'est certain. Puis quand ça commence, là, ça commence début juin pour nous. Puis ça finit quasiment fin septembre. Ah oui, quand et même. Et c'est des journées, des journées de 20 heures par jour. Oui, on fait le tour de l'horloge. Sur les week-ends, on a le jazz, on a les franco, c'est 7, 8, 10 jours, des fois en ligne. Alors, ça peut aller jusqu'à 100 000 personnes, là, dans certains cas, des événements. On pourrait nous faire jusqu'à 100 000 personnes. Juste dans la BRFU, on aurait l'équipement pour fournir. Ah oui. Maintenant, mettons, quand on parle de Oceaga, où la F1, il y a 35 000, 50 000 personnes par jour. Mais ce qu'il faut comprendre, des fois, c'est qu'on a Oceaga, on a les Alouettes en même temps, qu'on peut avoir Montgolfière. Ah, tout notre équipement, ça prend beaucoup d'équipement pour faire ce qu'on fait. Plusieurs chantiers en même temps, comme plusieurs, on dit. Plusieurs, oui. Puis on a, comme je vous dis, on racle de la limonade, on fait notre sangria, on la racle partout dans la foule. On a des copes de fruits, parce que les gens, il n'y a pas juste d'alcool. Là, on vend des fruits, que les gens s'en ont de plus en plus santé. Exactement. Avant ça, à l'époque, c'était juste de la bière. Maintenant, on a des variétés de vins, de spiritueux. Les gens consomment différemment aujourd'hui. Voilà. Alors, il faut être vraiment efficace. À la page. En même temps, c'est intéressant parce que ça améliore la qualité client, on va dire comme ça. Oui. Ça diversifie l'expérience. Bien oui, puis avec nos clients, nous, on n'a pas le choix là, de s'ajuster puis rapidement parce que... Oui, justement. C'est des joueurs, bien, c'est principalement, ils font que de l'événement, c'est des gros joueurs qu'on a. Là. Alors, on n'a pas le choix d'être... Il faut être à la page. Exactement, évidemment, au rendez-vous, puis capable de se retourner de bord. Et ça représente... Pour l'entrepreneur qu'est Sylvain Pelletier, ça doit représenter une adrénaline incroyable. Parce qu'on dit souvent que comme entrepreneur, on a besoin de ça. Amenez-moi un challenge, un défi pour me retourner de bord rapidement. C'est gratifiant aussi. De toutes les entreprises qu'on a, celle-là, elle est particulière. Quand ça commence, puis quand on a dit toujours qu'il y a un coup de dos, à un moment donné, le monde commence tout à manger ou à boire en même temps. Aïe, aïe. Parce qu'à des fois, on a des kiosques de nourriture qu'on gère aussi en même temps sur les événements. Fait qu'on a, oui, principalement, c'est l'alcool, mais on peut avoir un food card. On a d'autres choses sur le site. On vend des hot dogs. On est équipé, quelqu'un nous donne le contrôle aussi pour faire 50 000 hot dogs. On les fait. Ben exactement. Alors, on a
plusieurs produits autres que la boisson. Mais principalement, quand ils nous engagent, c'est la boisson. Puis après ça, s'ils ont besoin d'aide parce qu'il manque des joueurs ou peu importe, bien là, ils savent qu'on est là. On est là pour eux autres. Là. Absolument. Puis on sait qu'on peut répondre à la demande. Et puis que si quelqu'un ne se présente pas, etc., c'est la responsabilité, évidemment, du groupe ici de Sylvain, etc., et de Cheers événement. Bien, c'est tout un univers. Donc, on disait que peut-être qu'avec le temps, justement, on apprécie davantage les mandats qui sont de plus en plus importants, on va dire. Oui, puis on est en train, vu malheureusement la COVID, on ne veut pas en parler, mais on n'a comme pas le choix. Cette année, on a zéro événement, nous. Alors, c'est pour ça qu'on a commencé à regarder comment est-ce qu'on pourrait travailler, parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Peut-être opérer des gens de plus petites places comme celle-ci, le Récréopac. Travailler différemment. C'est une très belle place. Mm-hmm. Peut-être éventuellement, qui sait qu'on n'en fera pas quelques groupes ici de musique. Ben, on ne sait pas. Cet avenir. Mais ben oui, des petits concerts privés. On va revenir voir Sylvain. Alors ça, c'est notre prochain défi qu'on aimerait faire avec la ville de Sainte-Catherine ici, ou peu importe les endroits, faire des événements. Moi, je viens de Ville-Sainte-Catherine. Mon but, là, j'aimerais bien ça, faire un gros show. Il y a sûrement l'appartenance. Ici, oui. Quand on connaît notre patelin, puis on l'aime. Ouais. C'est bien. Ben, merci, ça a été un bonheur. Désolé. Et Sylvain, c'est trop intéressant. On te garde avec nous. Et là, on va aller voir le troisième chapeau de Sylvain. Et là, tu peux introduire l'endroit où on s'en va. On s'en va Transport MP, donc je suis encore actionnaire avec un autre de mes garçons, qui est Mathieu Pelletier. Bien. Donc, Marc-André, tantôt, était là au Verger. Et puis là, ben, on est tous ensemble dans toutes nos entreprises. Ça, c'est bien, travailler en famille. Oui, hein? Exactement. Et avec des liens tissés comme ça. Alors, on se retrouve de l'autre côté. Parfait, merci. Lunette Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunette-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunette Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Alors donc, chose premier temps, chose due chez Transport MP. Et là, cette fois, mon cher Sylvain, on présente l'autre fils qui est Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. On va parler des multiples facettes de l'entreprise parce qu'une compagnie de transport puis une autre, de l'extérieur, ça peut se ressembler en fait l'une à l'autre, mais il y a des différences importantes. On va expliquer d'abord les origines, 7 ans déjà, et en partenariat avec Mathieu, évidemment. Là. Exactement, oui. Mathieu et Marc-André, comme on a vu tantôt aussi, à Rougemont. Évidemment, ouais. Tout à fait. Donc, une belle affaire de famille. Ça fait quoi, donc, Transport MP au quotidien? Bien, nous, Transport MP au quotidien, on a plusieurs points où on met nos camions qui sont à différentes places, à Rougemont. Mm-hmm. On a une place à Mascouche, Varennes, Montréal, Candiac. Mm-hmm. On s'étend un peu partout, là. Oui, exactement. Hein? On est spécialisé beaucoup dans le transport qui est frais, sec, congelé. D'accord. On a des gros clients chez nous. Là, on est fiers d'avoir des grosses bannières. On a aussi un client qui a 70 établissements de vente. Ah oui? Donc un peu partout au Québec, j'imagine? Exactement. Ouais. Okay. Et c'est nous qui s'occupent de tout leur inventaire de produits. Donc, on fait leur inventaire, leur gestion. C'est nous qui... On monte leurs commandes, on fait du montage de commandes et on fait leur propre distribution dans tout leur établissement. Évidemment, ce n'est pas le client aussi gros, majeur ou important qu'il soit qui va vous tracer l'itinéraire. C'est là que ça prend une logistique. Puis Mathieu en sait quelque chose. Son bureau, il est grand comme ça, avec des grandes feuilles. On fait les tracés, comment on fait ça? C'est pas mal avec Internet, on se casse la tête, on fait un peu du essai-erreur pour trouver la... Parce que le but, en fait, quand on fait ça au client, c'est d'y vendre le pitch aussi pour que ça soit le plus rentable pour lui. Puis que ce soit facile, moins coûteux, c'est ça? Donc, c'est sûr que ça a été quand même un bon casse-tête à faire, mais le client était satisfait, donc ça nous a aidé à l'avoir aussi. C'est bien. Puis la notoriété, on l'a dit dans un autre reportage tantôt ensemble, Sylvain, ça ne s'acquiert pas en cliquant en ciseaux. Donc, peu importe le domaine dans lequel on est, hein, c'est peut-être la chose à retenir encore aujourd'hui, c'est que ça prend de la rigueur. À un moment donné, si on n'est pas certain de quelque chose, là aussi, comme tu disais, Mathieu, avec justesse, essai-erreur, on s'ajuste, mais on est au poste. On est là, puis on livre, là, c'est le cas de dire. On fait la livraison 7 jours sur 7. OK, quand même. 24 heures sur 24, on est
toujours, toujours à l'affût. Le téléphone sonne, on est là. C'est ça, j'allais dire, le téléphone même la nuit, Mathieu. Mon téléphone, 24 heures, 24/7, toujours, les routes de jour, de nuit, 3 heures du matin, minuit. Ah, je les prends toutes, j'en manque pas un. Puis c'est ça, honnêtement, qui fait en sorte qu'on a un bon nom dans le transport. Ben oui, j'imagine. Puis qu'on a fait un service quand même assez incroyable. Une trentaine d'employés? Oui, on est rendu avec une trentaine d'employés. Ça va super bien. C'est pas rien. Puis de choisir les bonnes personnes, ça aussi, ça fait partie du mandat qu'on se donne. Hein? On a une bonne équipe. On a une bonne équipe. Mm-hmm. Dans les bureaux, on a des bonnes personnes avec nous autres pour nous aider parce qu'on a plusieurs entreprises. Okay. Donc, Transport MP aussi, ça prend du bon personnel pour chauffer les camions, et ainsi de suite. On est fiers de notre compagnie. Plus ça avance, plus qu'on a une belle équipe. Oui, hein? De plus en plus. Et une famille qui s'agrandit parce que les projets sont de plus en plus nombreux, parce que là aussi, les grands gestionnaires d'entreprises, vous avez quelques bannières intéressantes, celles dont on a parlé avec autant de points de dépôt. À un moment donné, ça se parle, ces gens-là. Oui. Puis il y a des références. Il y a des gens qui vous réfèrent. Là. Donc, la famille s'agrandit. Là. On est aussi assez diversifié dans nos transports. On peut faire du transport de métal, comme okay. qu'on peut faire, on a deux essieux qui font de la... Oui, on fait du dompeur en construction. Okay. On a autant du camion transit en congelé que oui. du 53 pieds dompeur, 4 essieux. On essaie de varier le plus possible pour pouvoir justement que s'il arrive quoi que ce soit, bien, qu'on aille au moins plusieurs... Exactement, des portes de sortie. Exactement. Regarde, on peut faire ça. On n'est pas juste dans un domaine comme ça, on touche à tout. Et ça, c'est intéressant. Puis ça doit être aussi plus intéressant de travailler dans un domaine où ce n'est pas toujours la même chose tous les jours. Tes journées, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il n'y a pas deux journées pareilles, j'imagine? Non, non dans le transport, on se lève, on se rend au bureau, puis on ne sait jamais ce qui va arriver. C'est ça. Avec la mécanique, etc., on sait jamais, une journée, ça peut super bien aller pendant une semaine. Après ça, mm-hmm. bien, il y a plusieurs bris. Même si on a des camions, tous nos camions sont 2018 et plus. OK, mais ça c'est bien. Ça change rien que c'est de la mécanique. Il peut arriver plein de choses. Donc ça, c'est vraiment mon casse-tête mm-hmm. tous les jours. Nos camions, on essaie de les changer à tous les 5 ans maximum. Et ça, c'est bien quand même. Ouais. Nos véhicules, ça reste de la mécanique, mais au moins se donner une petite chance là-dessus que, tu sais, qu'on ait des véhicules neufs. C'est aussi notre image. Ben, voilà, on veut aussi avoir des camions qui ne sont pas toujours sur le coin de la rue. Oui. c'est important pour nous. Ça. Effectivement, ça fait de meilleure publicité aussi quand ça roule. Hein? Puis aussi, ouais. avec les autres entreprises qu'on a, ben, pour servir nos clients de nos autres entreprises, ben, mm-hmm. on sait que c'est Transport MP qui va livrer pour nous. Donc, c'est un casse-tête de moins. C'est ça. Ça, c'est très rassurant. C'est rassurant, ouais. ça. Il y a des objectifs. Parce que des gens comme ça, des bons entrepreneurs, ça ne s'arrête pas quand le succès est là. Évidemment, il y a des objectifs plus intéressants. Pour 2021, on aimerait beaucoup, mettons, dans le jour, on est toujours, toujours occupé. Oui. Puis le soir, c'est quelque chose qu'on vise en 2021, de pouvoir avoir des clients pour servir de soir puis de nuit. Là. Bien. On est prêt à ouvrir les portes de ce côté. Donc, le téléphone va sonner encore plus. On va être prêts. On est prêts. On est prêts. On les reconnaît, les vrais. Hein? Exactement. C'est fort intéressant. Bien, ça a été évidemment une très belle émission, Sylvain. Merci. Salutations à tous ceux et celles qui ont fait partie de cette belle émission bien particulière, parce que c'est ça, des entrepreneurs à succès et qui ont justement la main heureuse, mais parce que ça vient avec du travail, inévitablement, des gens qui réussissent et qui diversifient leurs produits et leurs activités. On est assez divers. Oui, c'est ça. Il y a de quoi. J'imagine quand on se couche le soir, Sylvain, va être... On est fatigué. On est fatigué. On se couche, mon âme. On s'entend bien, ça. Exactement. Ben, merci beaucoup, Sylvain. Merci, merci également, Mathieu. Ça a été un grand, grand plaisir. On invite les gens, évidemment, à retrouver Sylvain via ces différentes plateformes et différents sites Internet qu'on a identifiés tout à l'heure. Merci encore. Parfait. Merci. À bientôt. Merci.